Bonjour très chers abonnés, bon dimanche et surtout bienvenue sur votre chaîne, sur ma chaîne Les Astuces de Nyango. Aujourd'hui nous allons voir une astuce en cuisine, comment préparer les escargots. Il y a plusieurs manières de faire nos escargots, mais aujourd'hui notre choix porte sur des escargots sautés. Bon, pour cela j'ai besoin de 400 g d'escargots bien nettoyés. Il faut préciser que nos escargots ayant une substance gluante ont besoin d'être nettoyés, macérés au préalable avec du citron et du sel. Donc vous macérez avec du citron et du sel, vous laissez 15 minutes reposer, ensuite vous les rincez pour qu'ils soient aussi propres tels que vous les voyez. Là c'est 400 g d'escargots. Ensuite nous aurons besoin d'un gros oignon que nous allons découper, du poireau, de quelques feuilles de céleri et d'un quart de tomate. Vraiment la tomate c'est juste pour que j'aie de la couleur, sinon on n'a vraiment pas besoin de tomate ici. Alors comme accompagnement, nous avons du riz et du plantain banane que nous allons frire. J'ai également mon sel et l'huile pour la cuisson. Alors, nous allons sans plus tarder commencer. Là, je vais mettre à chauffer mes marmites. Ensuite, nous versons l'huile dans notre marmite. Pas assez d'huile, hein? Une quantité suffisante. Nous allons ajouter un tout petit peu. Nous attendons quelques minutes le temps que notre huile chauffe. Ok. Une fois que notre huile a chauffé, nous allons mettre nos oignons. Nous allons faire revenir nos oignons. On va laisser dorer nos oignons. Une fois que nos oignons sont dorés, nous ajoutons nos escargots. Nous allons faire revenir nos escargots. On va frire nos escargots. Le but étant de faire partir la substance gluante que nous connaissons tous dans les escargots. Vous voyez, c'est gluant. C'est gluant. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Donc, nous allons frire nos escargots jusqu'à ce que cet effet gluant disparaît complètement. Comme vous pouvez le constater, nos escargots commencent à sécher. Et là, on n'a plus cette substance qui glissait tout à l'heure. Nos escargots
en plus de sécher, commence aussi à se dorer. Maintenant, nous allons ajouter le reste des ingrédients. Nous allons ajouter notre tomate et du céleri, notre poireau, le reste d'oignon. Et aussi, j'ai là l'ail. Là, c'est un mélange d'ail, ail, poivre blanc et un peu de piment parce que ça doit être pimenté. C'est un mec qui doit être pimenté, qui se mange pimenté pour ceux qui supportent. Donc, nous allons continuer à frire et ajouter un peu d'eau. Nous ajoutons un peu d'eau pour laisser cuire 5 à 10 minutes de cuisson. C'est vrai que ça varie, hein? Il y a des escargots qui sont vraiment très durs à cuire. Donc de temps en temps vous allez goûter pour voir si c'est cuit ou pas. Et puis les escargots, c'est pas bon quand c'est trop cuit également. Ça doit faire l'effet d'un gésier de poule. Voilà. En temps normal, c'est ça. Lorsqu'on mange des escargots, ils doivent avoir l'effet d'un gésier de poule. Ok. Une fois que j'ai ajouté un peu d'eau, j'ajoute aussi mon sel pour ajuster mon assaisonnement. Et je laisse cuire pendant 5 minutes, 5 à 10 minutes. Pendant que nos escargots cuisent, nous allons commencer à frire nos plantains. Et la marmite de derrière, c'est pour notre riz que nous allons également cuire. Bon, nous revenons à notre dans nos cocottes. Notre accompagnement est prêt, nos plantains sont cuits, notre riz est cuit. Alors nous allons dresser notre plat en y ajoutant nos fameux escargots. Voilà qui est fait. Nous avons là notre plat d'escargot sauté, prêt à déguster. Sur ce, très chers abonnés, je vous souhaite un très bon appétit en vous laissant imaginer l'odeur qui sort de cette cuisine. Je ne souhaiterais pas être à votre place. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche juste à l'extrême droite de votre écran.